Il y a un inconnu qui s'est mis nu dans mon salon et en même temps il a pleuré. Oh là là. Ah oui. Je sais pas si elle n'était pas en train d'un peu le tromper avec moi, mais voilà. Salut les amis, et je suis de retour pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis avec quelqu'un qu'on ne présente plus, Clara Morgan, les amis. Tous mes potes sont jaloux de moi. Mes potes féminines, moi. Mais tous mes amis sont comme des fous. Moi, je suis très contente de faire cette vidéo, en tout cas, vraiment. Moi aussi, t'imagines même pas. Je suis tout fier, je suis tout content. Clara, est-ce que c'est ta première vidéo YouTube ou avec un YouTuber? Non. Tu l'as vu, je crois, j'ai fait Chicandier il y a pas longtemps. Ouais. Mais il y a des gens auxquels je ne résiste pas et tu en as fait partie. Bravo. Aujourd'hui, on va reprendre un concept de McFly et Carlito. Que tu connais? Non. Bah, je suis trop content. Elle connaît Bastos. Elle connaît pas McFly et Carlito. J'aurais dû faire comme si c'était mon concept, les amis. Désolée. Bah ouais, j'aurais rien vu. C'est quand même leur concept au départ, enfin, le concours d'anecdotes. Le concept donc est de McFly et Carlito, il n'est pas de moi les amis, je ne le revendique pas, mais je le fais aujourd'hui avec Clara Morgan. Clara, est-ce que tu as pensé à des petites anecdotes? Est-ce que tu as fait tes devoirs? J'ai fait mes devoirs, je suis grattée la tête, j'ai réfléchi à ma vie, mon œuvre. Je n'ai pas dormi, j'en ai deux là, prêtes. Parfait, il y en a une de vraie et une de fausse. Voilà. Ok. Ça pourrait être les deux fausses, ça pourrait... Déjà, je commence à marquer des points. Ouais, c'est de créer la surprise. Moi aussi, j'ai pensé à 2-3 anecdotes. Peut-être certaines que vous connaissez déjà, mais Clara ne les connaît pas. Est-ce que tu commences? Oui, tu commences. Ah ouais? Ouais. La technique, les amis, c'est de bien observer l'expression du visage. Ah ouais? Ouais, parce que quand on invente... C'est possible. C'est pas pareil que quand on raconte. Je vais commencer par celle-là. Je vais te faire un titre. D'accord. Parce que le titre, je trouve, est drôle. Ok. Il y a un inconnu qui s'est mis nu dans mon salon et en même temps, il a pleuré. Oh là là. C'est une personne que je ne connais pas, que je ne connaissais pas d'avant. D'accord. Et tout à coup, il était dans mon salon, nu, en train de pleurer. Il y a quand même une raison. Je laisse pas mes portes aux 80 ouvertes. Non, c'est pas ça. Avec mon cabas. Là, je sais presque déjà que c'est vrai. Avec mon cabaret, peut-être. Avec mon cabaret, j'ai plein d'artistes autour de moi et une pole danseuse qui est la championne de France de pole dance et vice-championne d'Europe. Ok. Et ça faisait des mois qu'elle me disait: j'ai un artiste qui veut absolument postuler pour ton cabaret, c'est un ami, s'il te plaît, reçois-le, etc. Je fais pas de casting, moi, je vais faire quoi? Je vais pas louer un restaurant pour faire un casting. Quand on fait des castings, c'est à Paris, dans le cabaret, donc je vais repousser le truc, si tu veux. Et un jour, je dis: bon, ok, fais-le venir, il est sûrement très bien en plus, donc c'est pas cool que je le vois pas. Et donc en fait, j'ai une personne donc, que je ne connais pas, qui a débarqué dans mon salon, mis sa barre de pole dance, si tu veux. Donc au début, ça commençait très bien, parce qu'il est très fort en pole dance, donc il faisait des figures incroyables, etc. Et il me dit: ça t'embête si je te propose un numéro, en fait, que je viens de créer pour ton cabaret? Je dis: bah non, ça se refuse pas. Mais tu lui as quand même ouvert, t'es pas arrivé dans ton salon, il était là. Mais non, je me suis mal exprimée alors. C'est pas tu débarques dans ton salon. Non, le mec était drôle comme titre. C'était tellement drôle comme titre. Je savais pas qu'il y avait des hommes qui faisaient de la pole. Mais surtout, ils sont extrêmement forts également parce que. Parce qu'ils sont plus forts que des femmes. Non, mais ils ont. Non, alors tu vois, pour le coup, je te présenterai Coralie Père un jour, qui est ma championne d'Europe de pole dance. Tu verras que tes petits bras feront pas de figure à côté des siens. Ça, la pole dance, c'est pas... il faut se méfier. Non, franchement, c'est quelque chose. Bref, et donc il me dit: bon, en plus de la pole, j'ai créé un petit numéro pour toi. Ok. Et là, le mec part, s'habille en tenue de Royal Navy. Il met une musique sur une enceinte qui sort et tout. Et il se met à faire tout un numéro. Et évidemment, les fringues commencent à voler. Et en même temps, il fait de la barre, il tombe de la barre. Là, il se met à pleurer, nu.
Ah, il fait aussi de l'acting, genre. Voilà. Et donc, en fait, il avait préparé un espèce de numéro qui était très difficile à faire. Hein. J'avais beaucoup de respect pour ce qu'il était en train de faire. Mais je dois avouer que c'est pas tous les 4 matins que ça m'arrive. J'étais assez mal à l'aise. Si tu veux, j'avais une vue comme ça de mon canapé avec un mec nu en train de pleurer et le jardin, tu vois. Ah, d'accord. Avec quelque chose de surréaliste. Ouais. Mais il était très très bon. Et je pense même que je le prendrais pour mon cabaret. Alors, Clara, je pense que cette anecdote, sans trop mouiller, je pense que cette anecdote est vraie. Tu racontes très très bien. Ou alors vraiment t'es Serge Le Mytho. Oui. Vraiment, ça serait la meilleure histoire de tous les temps. Mais surtout t'as pas entendu la deuxième. J'ai pas entendu la deuxième, mais je dis que celle-là est vraie. Ok. Ok. Je suis trop fort. T'es en train vraiment de mener tout le monde en bateau. Je suis balèze de ouf. Bon, alors à toi. À moi, ok. J'étais sur un tournage, il n'y a pas longtemps, donc les amis, vous pouvez imaginer les derniers tournages sur lesquels j'étais. C'est quoi? Non, pas bâtiment. Moi, je vais pas le dire. Ah bon, d'accord. J'étais sur un tournage, je n'en citerai pas le nom. Et une fille m'a plu, on s'est plu tous les deux. On était un peu pompette, on s'est un peu rapprochés. Mais on était encore pendant les heures de tournage, tu vois. Mmh. Et à un moment, on n'a plus pu résister à la tentation et on s'est un petit peu éclipsé. Dans une chambre et on a commencé à faire la bagatelle. L'après-midi du coup. Ouais, ça a été assez vite. On n'a pas pu résister à la tentation. Oui, ça arrive à tout le monde. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Mais du coup, on était encore en tournage et ça a fait un peu trop de bruit. Ah, pas l'histoire en elle-même, mais plutôt l'action. Oui, l'action a fait un peu trop de bruit et ça a toqué à la porte. En fait, il veut juste vous dire que c'est un tueur au pieu, j'ai l'impression. Non, Je t'en prie, continue. On a retourné l'appartement. Mais c'est pour ça que ça a toqué à la porte. Enfin, attention, loin de moi l'idée de me vanter ici. Oui, bien sûr. Ça a toqué à la porte et puis du coup, on était en pleine action. Et j'ai dit, attends. Non, je vais pas dire son prénom. Attends, je vais avoir besoin d'une petite minute là. Ok. Voir un peu plus. Une fois toqué, deux fois toqué. Ça finit par rentrer carrément dans la chambre. Ah, ils avaient les clés, la prod. Il y avait pas de clé. Puisque on n'a pas souvent l'occasion de s'enfermer à clé dans les endroits de tournage. D'accord. On nous donne pas des clés à disposition. Clairement, l'idée c'est d'être quand même disponible. et du coup, ça finit par rentrer. On rentre dans la chambre. On me jette une couverture, tu vois, genre pour pas voir, quoi, on me jette un truc. Et on me dit, maintenant ça suffit, Bastos, tu dois aller en ITV, ça va pas, allez c'est parti. Ah d'accord. Et là, bon moi, du coup, genre je pensais pas vraiment qu'on allait en arriver là. En plus on entend tout, maintenant avant de faire ham ham, tu attends que la production soit partie. Alors, en termes de véracité, hein, parce que je veux vraiment savoir si cette anecdote est juste, il a dit... C'était quoi son expression? Arrête de... De faire ham ham. Est-ce que ça peut être crédible à votre avis? Je ne sais pas. Quel âge c'était une fille. C'était une fille. Quel âge elle a? J'aurais dit environ mon âge. La jeune trentaine. Mm-hmm. Vas-y. Continue. Je te sens soupçonneuse. Ouais. Et puis du coup, j'ai... Ce qui m'étonne, c'est que la jeune fille t'a laissé partir. C'est surtout ça. J'ai remballé le matos. Ah, c'est gentil de ne pas savoir. Et je suis sortie et je suis allée en ITV. Clara, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Il n'y a pas eu de fin du coup. Non, il n'y a pas eu de très beau finish. Bon, écoute, je pense que ça peut vraiment être vrai dans la mesure où qu'une fille soit tirée par toi, c'est pas non plus un truc surréaliste, mais d'accord. Je suis très touchée. Que tu étais en tournage, c'est pas surréaliste. Comme tu dis, il faut que vous soyez à disposition à tout moment, donc là ça le prouverait encore plus, donc je pense que c'est vrai. Et vous les amis, est-ce que vous pensez que c'est vrai ou faux? Mettez-le en commentaire maintenant et attention, je vais donner la réponse. Cette anecdote est fausse. Oh, quelle déception! Pas pour la fille du coup. Parce qu'elle a dû être déçue, Je ne dis pas si une partie de l'anecdote est vraie. Ouais. Peut-être qu'une partie de l'anecdote est vraie, peut-être pas. Tu as rencontré l'amour, c'est ça qui est vrai? Non plus. Non, super. Ok, on va passer à toi. Très bien. Prochaine. C'était il y a quelques années, je travaillais avec le groupe Energy et sortait le film Fast and Furious. Fast and Furious, on était partenaire avec Energy 12. D'accord. Donc on a eu la chance de passer la journée avec les acteurs. Ok. Donc il y avait Vin Diesel, il y avait Michel Rodriguez. J'ai déjà rencontré, que je connais. Michel? Ouais. Oh my god, okay. Ça la concerne cette anecdote. Ah ouais?
Oh, mais j'ai l'impression qu'on a une connaissance en commun. On a passé une journée franchement géniale parce que voilà, tout le monde était très content de les recevoir. Je me rappelle qu'il y avait une conférence de presse entre 18 et 20 heures au VIP Room. Ok. Et donc on va tous là-bas, etc. Et Michel Rodriguez me parle beaucoup. Okay. Et je ne suis pas insensible, on va dire, à cette discussion. Elle a du charisme. Hein. Voilà. Quand en fait, elle est magnifique. Elle dégage un truc. Elle est magnifique, mais par l'ensemble de sa personnalité, exactement. De sa c'est personne. C'est pas uniquement son physique. Voilà, donc elle me parle dans l'oreille, il y a de la musique qui est un peu fort et tout ça. Mmh. Et là, en fait, on parle pas, enfin, forcément, elle parle anglais, donc moi je fais plein d'efforts, mais je suis pas bilingue non plus, mais j'essaie de comprendre tout ce qu'elle me dit. Et d'un coup, elle capte, je crois que je comprends pas tout. Okay. Et elle se met à me chanter La vie en rose. Pas mal. Dans l'oreille. Sympa, c'est mignon, c'est sexy. Perso, c'est une anecdote que je n'oublierai pas. Et ensuite, elle m'a invitée à la soirée qu'ils faisaient après. Okay. Après que, en gros, il n'y avait plus de journalistes et tout ça, ils faisaient un truc entre eux, les acteurs. Et en fait, je n'ai pas pu y aller parce que ma mère était venue me voir depuis Marseille et j'avais promis à ma mère que je me rappelle qu'elle le soit. Du coup, je suis rentrée voir ma mère et j'ai manqué cette soirée et donc, du coup, je ne sais pas ce qui se serait passé ensuite. Ok. Je pense que cette anecdote est malheureusement. Là, maintenant, j'ai du mal à choisir parce que je croyais qu'il y avait une vraie et une fausse et maintenant, je pense que les deux sont vrais. Mais je me dis peut-être que tu n'avais pas un dîner chez ta mère. T'avais pas un dîner avec ta mère et que finalement t'as été voir Michel Rodriguez. Peut-être. En tout cas, ma maman était chez moi à Paris ce jour-là. Je me suis pas sentie de la laisser tomber. Ça m'a vraiment fait de la peine. C'est dur. Je te donnerai à la fin de la vidéo. D'accord. Laquelle est vraie, laquelle est fausse dans tes deux, ok? Et moi, je vais continuer avec une autre anecdote. Une anecdote avec, je vais te raconter avec Michel Rodriguez, du coup. T'as vu, en fait, moi, j'ai rien préparé. Très bien. J'en ai plein la tête des anecdotes. T'as de la chance. Ok, je te raconte une anecdote avec Michel Rodriguez. J'ai rencontré donc Michel Rodriguez il y a 2 ans. À la fin d'une soirée The Couples où je suis parti dîner avec entre autres Emily Ratajkowski, Emrata. Ah oui. Ouais. Et puis quelques amis et on a été dîner à la brasserie Lip, tu vois. C'est peut-être quand même un peu non. Bah, il y avait qui d'autre? C'était faux. Il y avait qui d'autre? Il y avait Brad Pitt. Enfin, lui, on n'y a pas parlé, hein, laisse tomber. Et Jackie Cruz de Orange is the New Black, qui est une très 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 bonne amie à moi, et c'est aussi la raison pour laquelle je suis partie dîner avec tous ces gens. Avec toutes ces femmes. Du coup, on a dîné, c'était très sympa, et Michel Rodriguez est arrivé pendant le dîner, et on s'est directement, tout de suite, hyper bien entendu, tous les deux. Tu vois, genre, je parlais même plus à Jackie, qui est ma pote depuis des années. Je parlais qu'avec Michel Rodriguez. Et on s'est tellement tous bien entendus, et elle et moi aussi, qu'on a décidé de faire une petite after au Montana, qui est juste à côté. Et Michel Rodriguez et moi, on a continué à pas se lâcher d'une semelle. Du coup, on va dehors, juste tous les deux, tu vois. Vraiment, on perd tout le groupe. Et puis, à un moment, on les retrouve pas. Et on se dit, tu sais quoi, on part chez moi. J'irai pas plus loin, parce que... Gentleman. Donc en fait, mais j'ai ramené Michel Rodriguez chez moi. Voilà. Donc dans les deux anecdotes, tu baises. Attends, j'ai pas dit plus. Si, si. Tu l'as ramené chez toi. Enfin, elle est très sympa. Mm-hmm. Donc c'est crédible en fait. Je vois bien le. Sinon, tu vas me mitonner jusqu'à la fin et ce sera encore faux. Vas-y. Allez, c'est faux. Et eh ben, c'est faux. Ah voilà, mais ça aurait pu être vrai. Une grande partie de l'anecdote est vraie. Je vais expliquer pour celle-là la vraie anecdote. Ah. L'anecdote, c'est que vraiment on se lâche pas. On sort du Montana, on va dehors, genre, et vraiment là on commence à flirter fort. Un peu genre dans le style que t'as raconté. Elle m'a pas chanté La vie en rose ? Elle m'a pas chanté La vie en rose, ou alors je m'en rappelle pas. Mais du coup on commence à se rapprocher et moi j'en reviens pas, tu vois. Je me dis, mais je croyais que Michel Rodriguez elle aimait les filles, tu vois. À l'ancienne elle sortait avec. Comment elle s'appelle la petite mannequin là, Cara Delevingne. Et du coup je lui demande, tu vois, et elle me dit qu'elle aime aussi les garçons. Ça commence à devenir un petit peu chaud, mais je sens qu'elle est aussi un petit peu bourrée, tu vois. Et là, en fait, il se passe un truc que j'ai toujours pas compris. Il y a un mec qui sort du Montana, qui l'attrape, mais genre limite un peu violemment, tu vois, qui la fout dans un Uber, qui ne rentre pas dans l'Uber avec elle, c'est et bam, elle part. Un mec de la prod, un garde du corps. Ou... En fait, j'ai compris après qu'elle a appelé en disant SOS. Elle a un mot, elle a un code. C'est génial, n'empêche. Non, c'est pas ça. Non. Help me, the guy is very boring.
j'ai appris après ce que c'était par Jackie. Et en fait, Michelle Rodriguez, elle a aussi des, genre, elle a aussi un passé un peu agité dans ce qui est de la fête. Elle a trop fait la fête. Mm-hmm. Et maintenant, quand elle sort en soirée, elle a un babysitter. La vraie histoire, c'est que on l'avait un peu semé, le babysitter. Ok. Et du coup, il était en train de chercher dans le Montana où elle avait bien pu s'échapper. Et il s'est un peu énervé et il nous a retrouvés dehors et bam, il l'a mis dans le truc. En fait, j'ai l'impression que t'es jalouse. Ouais, trop. T'es jalouse parce que tu voulais avoir Michelle Rodriguez juste pour toi. Non, mais moi, peut-être que je l'ai eu et que mon histoire, elle est pas allée jusqu'au bout. J'étais hyper déçue. J'étais là, oh non. Horrible. J'aurais dû aller me cacher plus loin avec Michelle Rodriguez. Voilà. T'as plus d'anecdotes? Non, mais je vais la garder pour la prochaine fois. D'accord, bon, bah, c'est bien. C'est une technique pour refaire une vidéo avec moi. Ça. C'est ça. C'est comme les meufs qui laissent un truc chez toi après un coup d'un soir. Bonne technique. Maintenant, ça va être à mon tour d'essayer de deviner laquelle des deux anecdotes de Clara est vraie et laquelle est fausse. Et vraiment, c'est hyper dur. Je sais pas vous. Au début, pendant la première anecdote, je me suis dit, ok, ça a l'air tellement vrai, je sais que c'est celle-là qui est vraie, Clara, elle est vraiment nulle au concours d'anecdotes. En fait, l'idée, c'est toujours de faire croire que vous êtes nulle, comme ça vous m'en voudrez venir, quoi. Je vais dire... Oh my god. ...que la première est vraie, et que la deuxième est fausse, et que ça s'est pas terminé comme ça. Il est balèze. Non, c'est pas exactement vrai, la deuxième. Ok. Donc la première, c'est vrai, hein. C'est, ouais. Je fais jamais ça, de faire passer les castings chez moi. Enfin, dans mon salon, ça n'a aucun sens. Ça, c'est vraiment parce que c'était l'ami d'un ami, d'une amie. Ouais. Et du coup, j'ai vécu ce truc de façon très spéciale. C'est-à-dire que t'es quand même dans ton canapé. Et ok, il y a un mec qui est venu pour montrer ce qu'il sait faire, mais je m'attendais vraiment pas. Et en même temps, admiratif de ce qu'il pouvait faire apparemment n'importe où. Parce que c'était à la demande. La deuxième histoire. J'ai vraiment travaillé avec Énergie Douce. D'accord. J'ai vraiment rencontré l'équipe de Fast and Furious. Okay. Michelle Rodriguez, Vin Diesel, etc. On s'est vraiment un petit peu parlé toutes les deux. D'accord. Mais en fait, ce n'est pas elle qui m'a chanté La Vie en Rose. Ah. C'est Vin Diesel. Ah. Vin Diesel. Et on m'en a voulu parce qu'on m'a dit, mais Vin Diesel est marié. Comme si c'était ma faute, en fait, que le mec est venu me chanter La Vie en Rose. Ah. Vin Diesel, si tu regardes cette vidéo, et que tu comprends pas clairement, non. Mais si t'as... quelqu'un qui t'a réussi à traduire cette vidéo, sache que je suis pas fier de toi. Quand on est marié, on chante pas La Vie en Rose. Mais il chante bien. C'est quelqu'un de très 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 sympa. On en rencontre parfois des acteurs d'Hollywood et tout. On sait très bien comment ils sont. Ils sont happy face tout le temps à la caméra. Et puis ils ont 35 lui, corps. Cool. Autour d'eux, ils te parlent pas. Ouais. Lui, il était détente. Ouais. Enfin, j'avais l'impression de parler pas du tout à une star américaine. Ouais. Donc, très sympa. Jusqu'à me chanter La Vie en Rose où elle a un petit peu rougi. Après, je me suis barrée parce que ma mère m'a chez moi. Ah oui, d'accord, t'as planté Vin Diesel, quoi. Ouais. Mais toi, tes deux anecdotes étaient fausses. Mes deux anecdotes étaient fausses, ouais. Mais, la deuxième était partiellement vraie. Ouais, mais t'en as pas une vraiment vraie qui nous fait un peu kiffer, parce que bah, mais si là, je te raconte une vraie, tu vas savoir qu'elle est vraie. Ah bah non, mais là, je devine pas, là, je veux juste entendre une anecdote vraie de ta bouche, parce que il me raconte que des mythos. Bref, une vraie. Si, j'en ai plein. Avec plein de célébrités différentes. Ah, on a le droit à une célébrité. Je balance pas les trucs, il m'en reste plein, des grands secrets que je peux pas balancer. Ok, donc maintenant je peux le dire, c'est vrai. Les amis, vous savez que j'ai eu une histoire avec Chloé Moretz. Elle est très belle, sublime. Mm-hmm. Donc vous savez que j'ai eu une petite aventure avec Chloé Moretz. Puis elle sortait avec Brooklyn Beckham, justement à ce moment-là. T'as raison. Merde. Ouais, elle était en on and off, un peu, genre, c'était un peu suspect. Ouais, je sais pas si elle n'était pas en train d'un peu le tromper avec moi, mais voilà. On était donc à New York, on est allé dîner dans un petit restaurant sympa. Passait vraiment une soirée trop stylée. Cette meuf est hyper intelligente. Elle avait 19 ans à l'époque et moi j'avais 26. Du coup, j'étais plus vieux qu'elle et pourtant, je prenais ma leçon de culture, d'engagement politique, ouais, et vraiment très cultivée. Elle me faisait, goûter des whisky, tu vois. Genre, c'était elle à 19 ans qui me faisait goûter des whisky à moi, etc. Genre vraiment
une soirée très stylée et vraiment genre, j'ai eu un vrai coup de cœur pour elle. C'était donc notre premier date. Ce qui était marrant, c'est qu'il y avait son garde du corps qui était genre à 1 mètre de moi. J'ai l'impression que c'était comme Michel Rodriguez. Je clouais mon raid, tu vois, dans le restaurant, elle passait pas inaperçue et tout. Et du coup, je fais fermer le restaurant à la fin. C'était le restaurant d'un ami, donc du coup, il ferme le restaurant pour nous après la fermeture. Et ça me permet d'être un peu plus tranquille avec elle pour l'embrasser. Donc du coup, on s'embrasse. On sort du restaurant et dehors du restaurant, il y avait pas mal de gens qui l'avaient repéré, qui attendaient et tout. Du coup, son garde du corps, il est un peu tendu. On sort du restaurant et là, bam, elle tape un sprint. Genre sans rien me dire. Mais t'arrives que d'être épice. Alors du coup, je fais, oh non. Oh non. Du coup, elle tape un sprint, même son garde du corps, il comprend pas. Il est un petit peu en panique. Il pensait qu'on passait genre vite fait du restaurant à la voiture et ça n'a pas été le cas. Et du coup, moi, je suis un petit peu en panique aussi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, il y a son garde du corps, sa voiture, il y a moi, mais il n'y a pas elle. Et là, elle revient et elle fait, je pense, un des gestes qui m'a le plus touché venant d'une meuf de toute ma vie. En fait, elle avait repéré un mec qui vendait des roses et elle m'a acheté une rose. Oh. Et elle m'a offert une rose. Ah, mais c'est trop mignon. Ouais. Et genre par contre partir en courant et tout, c'est flippant. Ouais, c'était flippant et bizarre. Ouais. C'est la seule meuf de ma vie qui m'a offert une rose. Ne bouge pas. Oh, je vais avoir une autre rose de la part de Clara. La rose de l'amitié. Oh, j'ai une rose. J'allais dire, j'allais recevoir ma rose et j'allais dire, ouais, il y a quand même ton mari. Je suis très touchée, j'adore les fleurs. Et bah écoute. Je sais qu'il y a plein de gars qui trouvent ça bizarre, mais moi, je trouve que c'était un trop beau geste. Genre, est-ce que c'est bien fini cette soirée? Je te demande pas les détails. Non. Oui, cette soirée c'est très bien fini. Et tu ne t'es pas revu? Et si, on s'est revu plein de fois. C'est pas genre on s'est pécho une fois, hein. On a eu une petite aventure, quoi. Ça a pas duré très longtemps et puis surtout elle était toujours en voyage, du coup genre on se voyait pas tout le temps. Mm-hmm. Mais à chaque fois qu'elle passait à New York, genre on se voyait. Les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé ces petites anecdotes. J'ai bien aimé la dernière qui était vraie du coup. T'es contente, hein? Ah oui, c'était romantique, trop mignon. Je suis très romantique. C'est vrai. Mm-hmm. Mais ça se sait peu. Ça se savait pas dans ma première anecdote. Non. Bah, disons, tout au long de la vidéo, on était assez suspicieux sur ton romantisme. Les amis, j'ai été trop content d'avoir Clara sur ma chaîne. Aussi. J'espère que vous allez être aussi content que moi. Si vous avez été content, mettez un pouce bleu, souscrivez à la chaîne, activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Avec Clara, on n'a pas fini de vous présenter des petites surprises. Donc soyez prêts, ça arrive. Non mais non. Je vous fais des gros bisous, ciao ciao.